Salut à toi, jeune gamer. Tu en as marre de payer pour des jeux qui rentrent super bien en bande-annonce, mais qui s'avèrent être une grosse daube une fois que tu l'as entre les mains? Tu en as assez de dépenser tout l'argent de ton putain de loyer pour des DLC sans aucun contenu et qui ne servent à rien à part grossir les poches des développeurs? Tu aimerais bien que quelqu'un te donne un véritable avis sur ton jeu avant de l'acheter sans passer par des pros qui essayent de te la mettre à l'envers? Alors regarde bien ce qui va suivre, car c'est l'heure du test! Amis fans de monde post-apo atomisé à la sauce nucléaire façon Hiroshima, je vous souhaite bien le bonjour. Est-ce que vous connaissez le métro? Bien entendu, je ne parle pas de celui qui sent la pisse, où l'on trouve des roms qui jouent de la mandoline, et où les gens paraissent plus pâles que les blanches fesses de guenièvre dans Kaamelott. Qu'est-ce que vous avez dit? Le Gallois Perceval. Non, après. En réalité, aujourd'hui, nous allons parler de Metro Exodus, et plus particulièrement de Metro 2033, ou encore Metro The Last Light. Mais ça, c'était bien avant Metro Exodus... Non, bon, vous savez quoi, on va tout reprendre depuis le début. Au départ, Metro 2033, c'est un livre écrit par Dmitri Gloukovski, que je n'ai d'ailleurs pas lu, mea culpa, dont l'histoire est celle d'une guerre nucléaire totale qui a détruit la plupart des grandes villes du globe, obligeant ainsi les habitants de Moscou à se réfugier dans le métro, d'où vient le nom, du coup, vous l'aurez bien compris. Oh, l'andouille, le fils de... Le livre a été un franc succès lors de sa sortie, et Dmitri a écrit deux suites, Metro 2034 et Metro 2035, donnant ainsi naissance à la trilogie des jeux Metro. Oui, je sais, ça fait beaucoup de Metro, tout ça, mais en même temps, imaginez une suite avec d'autres noms, ça n'aurait pas de sens. Bienvenue dans RATP 2034, n'est-ce pas? J'espère que les Noirs et autres Leonarda n'auront pas survécu, sinon, à quoi bon avoir envoyé toutes ces bombes, lol? L'ambiance du jeu se situe entre l'horreur et la survie. Vous devrez constamment faire attention aux nombreux dangers et monstres créés à cause de la guerre nucléaire, comme les filtres de votre masque à gaz, l'une des mécaniques les plus récurrentes du jeu. Il faut savoir qu'à l'heure où j'écris ces lignes, j'ai toujours le cul entre deux chaises et suis partagé sur le troisième volet de la saga Metro. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Tout d'abord, on peut parler du menu classique mais fidèle aux originaux de la lignée, et qui en plus évolue en fonction de votre situation géographique dans l'histoire. Vous devrez choisir une difficulté en fonction de votre style de jeu, pouvant aller du gros bourrin qui veut de la munition à tous les coins de rue, ou du dingue de survie qui veut économiser jusqu'à la moindre feuille d'acacia pour se torcher le cul. Même les dames l'aiment bien. Ma cabane au fond du jardin. Il faut savoir que Metro Exodus se passe au moment où Artyom, le héros principal, et ses compagnons découvrent que la Russie possède encore des zones non irradiées, alors qu'ils vivent depuis 20 ans dans le métro de Moscou comme des gros glands et qu'il reste encore beaucoup de survivants à l'extérieur, avec son gros lot de vilains pas beaux qui va avec, of course. L'intro vous permettra de rapidement vous remettre dans le bain, ou de comprendre tout simplement l'histoire si c'est le premier métro auquel vous jouez. Premièrement, ce qu'il manque cruellement à ce jeu, c'est la voix du personnage encore une fois, qui en plus, monsieur l'arbitre, est présente pendant les monologues de chargement de zone, mais totalement absente pendant les dialogues de jeu, histoire d'être bien frustré jusqu'au bout. Il semble que les fanatiques offraient des humains en sacrifice aux poissons. Il a le bras décollé du corps. Du coup, parfois, on se retrouve au milieu d'une scène étrange, voire même à la limite du malaise, alors que pourtant, la voix du doubleur français était plutôt correcte pour une fois. Mais fort heureusement, Metro restera toujours Metro. Dès le départ, vous devrez faire attention à votre équipement, aux zones irradiées et aux créatures qui vous chassent. Les graphismes du jeu sont très immersifs et l'ambiance d'un monde presque anéanti est bel et bien présente. Même la météo vous fera très vite comprendre que notre chère planète bleue a bel et bien souffert des nombreux cataclysmes qu'elle a subis. Cependant, certains événements récents doivent être pris en compte. Là, on arrive à la partie qui fâche, où ma grosse veine bleue a bien failli exploser, les fois où le jeu a planté. Faut savoir que j'en ai eu 3 en tout, mais pas du genre à faire un petit saut d'écran ou une légère coupure. Non, non, là, on parle carrément du bug informatique Skynet, où vous ne pouvez plus faire aucune action ou changer d'arme, et qui vous oblige carrément à recharger votre partie. Mais attendez, partez pas, on vient à peine de commencer, ajoutez à ça une IA complètement conne, voire même encore plus débile que les monstres par moment, et là vous serez pleinement dégoûté. Regardez-moi ça, on dirait une équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna. Et pourquoi, enculé ?
Voilà, ça c'est les deux premiers points qui me cassent littéralement les noisettes en morceaux et qui fait qu'aujourd'hui je ne sais pas quoi penser de ce jeu. C'est comme si on vous avait offert une peinture magnifique, mais qu'elle était posée sur un cadre moisi et plein de termites, et après on aurait posé une énorme merde dessus qu'on aurait saupoudré de sucre, allez savoir pourquoi, puis on mélange le tout et ça donne métro. Ok, désolé, je me suis peut-être un peu emporté. Mais quand bien même, il y a bien des gens qui vérifient les jeux avant de sortir, qui font des tests, non? Pourquoi on dirait qu'ils ne remarquent rien? Pourquoi est-ce que tant de petits détails sont torchés avec une branche de peuplier? Ah oui, d'ailleurs, en parlant de détails, n'importe quel sombre connard qui a déjà fait de l'acrobranche dans sa vie, c'est que ça, c'est un mousqueton, et qu'un mousqueton, ça permet uniquement de faire 20 cm sur une tyrolienne avant d'être suspendu en l'air comme un con face à Jean-Claude Duss! Sérieusement, ça coûtait quoi de mettre une poulie à la place? C'était plus cher à Lidl? Ils savaient pas comment la réaliser? Vous voyez, tout ça, ça pète la game en permanence. Ça, et aussi le fait qu'il y a trop de récup dans ce jeu. De la récup, et encore de la récup. Putain, mais même dans les rues en France, y a pas autant de merde à ramasser par terre. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Pourtant, et même étonnamment, l'établi de fabrication est plutôt bien foutu et assez intuitif. J'ai d'ailleurs plus que hâte de découvrir de nouvelles armes et de voir quels modifs on peut y apporter. L'histoire est toujours aussi captivante que depuis le premier Métro 2033. Je pense qu'il y a également plus de dialogues et d'interactions avec les personnages, comme ce moment où j'ai réussi à faire de la guitare contrairement à dans la vraie vie. Tout en étant en alerte permanente, vous découvrirez de nombreux endroits dans des décors superbes, de nouvelles créatures toutes plus dangereuses les unes que les autres, et vous trouverez d'autres humains dont la santé mentale s'est légèrement dégradée suite à la fin du monde. Les fonctionnements de métro sont toujours bien présents, mais manquent malheureusement de finition et de nouveautés. Je reste tout de même convaincu que ce jeu reste un succès critique, car malgré les erreurs et les quelques fois où j'ai ragé comme un gros porc, je me suis tout de même accroché jusqu'au bout de ma partie, comme un bulot à son rocher. Métro Exodus aurait pu être bien mieux, c'est une certitude, mais il restera toujours un meilleur jeu que Far Cry New Dawn. Avant de terminer, je tiens à faire un petit hommage et à saluer la mémoire de quelqu'un qui m'est cher et avec qui j'ai passé de nombreux moments. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de lui rendre hommage. C'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour moi car il a partagé une grande partie de ma vie et il continuera même s'il nous a quittés depuis peu. Salut à toi, l'ami. Bon tour parmi nous. Ah, salut, Arthur. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et voilà pour notre critique sur Metro Exodus, on espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager en masse sur les réseaux sociaux, à payer votre ticket de bus, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le district. Pollution à Paris, c'est plus que c'était. Hein. Tu es avec le périph au-dessus là. Ah ouais, bordel. Un truc de malade. Bon, tiens-toi bien. J'ai réussi à trouver ce que tu m'as demandé. Mais non. Vas-y. Oh là là, c'est pas possible. Le dernier sur Terre, mon gars. Le dernier sur Terre. Je peux l'ouvrir? Vas-y, fais-toi plaisir quand même. Ah oui. Ça a l'air d'être de la bonne cam en plus. C'est ça. Ah ouais. Les cartes sont authentiques. Ah ouais. Ça, ça vaut de l'or. C'est ça. Bon, j'ai le droit de te payer évidemment. Ah, bah, j'espère bien. Bien sûr. Ah, je peux te dire, tu vas te faire des bonnes parties avec tes potes. Ah, ouais. Là, ça va pas s'arrêter. Tiens, c'est pour toi. Super. Les bords serrés. Ah, évidemment. C'est ça. Bon, allez, je t'embête pas plus longtemps. Ça marche. Allez, fais attention aux rats mutants. Hein. Bon, on sait jamais. Ça va très bien. Tous. Allez, top.